amis, je suis à la fois dégoûtée et trop content. En gros, il y a quelque temps, avec Julo, le fameux Julo qui m'accompagne dans mes pack openings, il était avec son magnifique Corbac Mecha et ensemble, on a ouvert des boîtes sur la saison de Fang, la saison précédente de Brawl Stars. On avait beaucoup trop de récompenses à ouvrir, vraiment, on en avait plein. J'ai acheté le pass Brawl parce que j'avais assez de gemmes. Donc on a débloqué forcément le skin Major Rosa et skin de Fang. Sauf que, bien sûr, mon logiciel de stream a planté. Enfin, en fait, j'avais mal allumé le logiciel et du coup, ça m'a pas filmé mon écran. Donc j'avais le son, mais pas l'image. Quand même assez dégoûté puisque... Donc on a... débloquer le skin de Major Rosa et le brawler Fang, ainsi que son skin. Et alors entre les emotes, l'or, les gemmes, les jetons de pouvoir et les doubleurs, je pensais que la chance n'était pas là. Mais dans les dernières grosses boîtes, il s'est passé quelque chose d'incroyable. On a enchaîné 4 méga boîtes avec des objets restants d'au moins 6. J'ai eu, pour vous dire, une méga boîte avec objets restants 8. On était vraiment ultra chaud quand on a vu ça, j'étais trop content. Bon, je me suis fait gadgetiser, mais bon, c'est pas très grave, on a quand même eu l'objet restant 8. Et après, on a enchaîné une autre méga boîte avec un brawler. Elle contenait en effet un brawler épique que je n'avais pas encore débloqué, Franck. On a débloqué Franck. Ensuite, on a enchaîné 2 méga boîtes avec des gadgets. Donc vraiment, on a eu la chance à la fin avec les méga boîtes. C'était un pack opening incroyable. Désolé de ne pas avoir pu vous le partager. En tout cas... voilà, cette petite vidéo était faite pour vous résumer ce qui s'était passé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager. On est de plus en plus nombreux et je vous remercie. C'était Axiros, ciao.